Préparez-vous à libérer votre esprit avec le voyage chamanique. Alors, je vous suggère aujourd'hui de participer à la soirée offerte sur le voyage astral, la médiumnité et tous les dons du chaman que vous pouvez acquérir en pratiquant, vous entraînant. Évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais vous verrez, une expérience inoubliable vous attend. Alors, dans le nouvel article aussi, je vous parle du voyage astral et surtout de comment savoir faire un voyage astral sans danger en vous protégeant des entités et des parasites énergétiques. Grâce au rituel, par exemple, de la bulle de lumière et aux autres rituels de protection. Ces rituels vous aident en fait à fixer vos intentions pendant le voyage astral pour aller au bon endroit avec les bons guides et bien capter les messages surtout. Et ils vous aident aussi à éviter les contacts avec les énergies négatives pendant une sortie de corps. Cela vous évite surtout la fatigue et les signes et symptômes négatifs quand on fait un voyage ou quand on revient d'un voyage astral en n'ayant pas pris les bonnes précautions. Je vous laisse cliquer sur l'article complet dans le blog de l'onde cristalline pour aller lire tout ça. Il y a plus de 30 pages, ça va vous occuper un moment. Et vous pouvez aussi, dans cet article, vous inscrire à notre soirée offerte sur la médiumnité et le chamanisme. Et si vous les connaissez déjà, eh ben, n'hésitez pas à aller regarder d'autres articles. Il y en a plus de 200 sur le blog sur tous ces sujets. Ciao, ciao!